Joseph Lambert, président, et tout de suite après, il y a divers partis politiques qui ont même joué un accord entente nationale, côté, ils ont proclamé Joseph Lambert, président provisoire, et puis Ariel Henry, premier ministre. Bon, écoutez, par rapport à ce qui a passé là, est-ce que nous sommes capables de dire, nous déjà sous ça capables de une crise politique ou bien un conflit interne entre pouvoirs, je ne sais pas, entre institutions, parce que je ne veux dire là, et par rapport à ce qui a dit chez le commencement de l'émission en disant que vous suspectez une attitude adélantée de la part du PMAI Claude Joseph et que je ne veux dire là, il y a une décision qui apprend presque à l'unanimité au niveau de la société et pour dire Joseph Lambert c'est lui-même qui doit être président et que Ariel Henry Drouet, premier ministre, mais ce que je ne veux dire là, n'est pas capable de dire, et qui ont quoi qu'à travers l'institution. Normalement, c'est Claude Joseph lui-même, nous estime qu'il était piqué devant, mais parti politique qui signe notre ça, même c'est comme si il a dit, monsieur, halt, t'es là. Il faut nous signaler tout, il y a un investigateur FBI a gagné pour rentrer dans le pays, le département d'État a gagné pour fouiller. Dans le pays et porte-parole Maison Blanche là, lui-même lui signaler ça et gagner tout investigateur colombien qui a gagné pour entrer sous peu dans le pays toujours dans le cadre d'enquête sous exécution président Jovenel Moïse la Kaili dans Pèlerin 5 mercredi 7 juillet passé. Alors information a grandi m'a capable dit de temps à autre gagner information qui a tombé mais n'a demandé sénateur Steven Benoît et pour les capables de faire diligence pour le rejoindre nous après intervention et Moun qui va le parler à la qui c'est Jacques Sauveur Jean parce que côté Steven Benoît il est un peu difficile pour nous capables d'établir contact avec les Agodo. Alors justement donc nous t'ai dit depuis le commencement ça c'est un Haïti débat spécial côté que nous avons essayé de brasser l'idée en ce qui concerne l'assassinat président Jovenel là. Donc ça qui parait là seulement, vient une bataille politique. Et ce n'est quand même dit même une bataille géopolitique parce que là que nous connaissons, nous avons Claude Joseph comme diplomate, qui ont un paquet de monde dans la diplomatie, les amis. Donc nous pas qu'à dire avancer l'affaire, ils ont été seulement sur le plan national. Donc possiblement, monsieur, il y a des grands conseillers et ou bien grand monde qui a essayé de faire avancer. Donc, on est capable de dire jusqu'à présent, donc, entre Ariel Henry, si on moun la cap et c'est Bouya Champagne qui a marché mieux, c'est Claude Joseph. Moi, c'est n'a venu à plus de détails, non, Titan. Nous avons Jacques Sauveur Jean avec nous. Son plaisir pour nous recevoir sous ce coup. Et comment ça y est? Profitez, salut, auditoire, sous le plan. Et fanatique Jacques Sauveur Jean, supporter Jacques Sauveur Jean, qui a toujours été en premier dans la ville. Permettez-moi de dire que je réponds à l'appel et surtout à l'invitation pour intervenir dans l'esprit de souhaiter une plus profonde condoléance à la famille du président de la République récemment assassiné et au peuple haïtien dans sa douleur. Mais je suis incapable de demander nous tout pour nous accepter avec tout respect que j'ai pour nous face à choc que moi-même je recevoir. Émotion très fracassée, nous sommes capables de permettre un parcours par opinion politique, puisque c'est fort ce qui se passe et en tant qu'homme d'État, nous avons réservé le droit de ne pas encore de prononcer sur ce qui a passé là. C'est trop drôle et c'est trop bizarre pour un pays et comme Haïti qui est considéré comme une extension de l'Afrique même. Et c'est assez fort comme situation à gérer. Donc, si vous me le permettez, avec tout le respect que je vous dois, permettez-moi que vous conserviez le silence, mais en attendant que vous repreniez émotionnellement et à terme. Bien. Il était pour nous de vous remercier, sénateur Jacquito. Moi, je vous remercie. Voilà. Sénateur Jacquito qui est ému par rapport à ce qui passait à. Et il voulait garder silence li par rapport à que yon série de informations qui a circulé comme quoi les bavlé mettait et charulant avant. Ben c'est bien on a demandé Jean Dédilien pour Steven Benoît capable d'entrer en contact avec nous sous numéro Charles Dégola. Ben écoutez et nous en phase politique
face politique. Côté dit à l'heure régionale, côté que gagne un pile secteur dans la société A, qui demandait pour que c'est Joseph Lambert qui est président provisoire et que et Ariel Henry capable premier ministre. Que dit l'équipe qui gagne dans tête li Claude Joseph comme premier ministre? Bon, jusqu'à présent, parti politique, ça y est, nous gagnons ENA, FND, UNITE, gagnons VIEO, Haïti, Haïti, Vive Haïti, gagnons l'autre démocratique, émergence patriotique. C'est des partis politiques, et bien plus, qui eux-mêmes, dans le cadre d'accord entente ça, Ronald Lejeune, qui eux-mêmes, ont proclamé Joseph Lambert, président provisoire et puis Ariel Henry comme premier ministre. Donc, il n'y a pas considéré à faire Claude Joseph là, étant donné Claude Joseph était déjà gagné, ils ont arrêté, qui rentrait, arrêté, qui était nommé Claude Joseph premier ministre. Donc, Claude Joseph, selon Jean Parti politique qui est là, est obligé de sortir notre ça pour dire qu'on halte là parce que nous allons aller trop vite, à délanter à trop. Pour ramener M. Lord en façon pour Jean-Gabriel Fortuné Tabdil. Il y a des débats qui peuvent être faits jusqu'à présent. L'an mort, président Jovenel Moïse était jusqu'à présent non éclairci. Parce que les gagnants des agents de sécurité, les gagnants ont tout un arsenal de sécurité. Mais pour qu'ils savent facilement, par un coup de pétac pété, ils ont rentré la caille président de la République là, ils ont tué lui. Yo blessé madame ni qui a pris soin États-Unis pour qu'elle est là et comme ça nous c'est leur décision qu'a prend pour qu'on gagne yon lumière qui pote. Donc société jusqu'à présent a tant d'explications ça yo. C'est vrai CSPN a présenté un groupe mercenaire selon ça yo dit monsieur ça a participé dans assassinat président Jovenel Moïse. Ayer yo présenté la direction générale police nationale là mais sans nous pas écarter tout Ronald Lejeune et Agoudou, l'autre parole qu'a parlé concernant monsieur Mercenario, il a dit qu'il assassiné président Jovenel Moïse. Donc nous-mêmes n'attendons d'explication comme nous gagnons des enquêtes internationales, nous n'avons pas la pour faire ça n'est capable les bavardages médiatiques et c'est les paroles là officielles qui capable parler. Oui Agoudou, nous voulons faire intervention ça et m'a pris responsabilité pour moi faire analyse autour de ça que je vais dire. Je suis sûr qu'il y a des partis politiques en réalité qui déjà prend position et gens que le parion et pas on va qui paraît nouveau pour nous tous. Joseph Lambert est président, c'est président Sénat et un paquet de partis politiques déjà gouvernement Jovenel Moïse là t'est entré dans dialogue pour chercher à quoi avec vous. Et d'accord avec Joseph Lambert, c'est une grande personnalité de la politique haïtienne. Il y a un boulevard comme ça, côté Mabdil comme ça, il y a un président flané comme ça. Je garantis que l'État a toujours été comme une interrogation pour moi-même face à un aide de coup Joseph Lambert comme président Jean Sénat. Mais comme qui ça qui gagne comme possibilité d'apprendre même dans le cas ça? Effectivement, Régime Sot dit c'est divers partis politiques, à coup sûr, bien des partis politiques de l'opposition et possiblement des partis politiques qui font partie pouvoir donc, pour opposer Joseph Lambert comme président. Et moi, je dis pour opposer parce que il y a deux bagailles qui sont là, lui blanc a parlé, c'est-à-dire blanc prononcé par rapport avec analyse des faits. Et par rapport à Jean-Louis situation, mon limite confiance dans lui. Donc, c'est bien Claude Joseph. On allait pour un, Claude Joseph a tant de possibilités. Et nous connaissons ça déjà. Quand le blanc a parlé en Haïti, pour les politiciens, donc c'est plus que jamais. Non, on dit blanc a parlé de quoi de... Binu, notre Binu, mettez-le. Non, notre Binu, mais Sénat, nous gagnons là, c'est une institution. Sénat République, c'est une institution. Et c'est, nous avons dit, c'est celle institution qu'on président. Régime, wap d'accord avec moi et wap d'accord avec moi. Quand Claude Joseph gagne approbation binu et il y a force publique qui n'a rapport de force sur Chitana, mais Claude Joseph.
Ok, n'a pas pour nous donner sous discussion ça, monsieur, et nous gagnons l'idée de place par qui est avec nous. Dieu donné l'hérisson, comment nous y est, comment moral là est. Nous saluons l'émission PIA et Haïti Débat. Nous saluons les Haïtiens. Justement, dans la partie place pas, mercredi, nous tenons un rêve, c'est comme si c'est nos rêves nouillés. Et c'est après la pointe nous face à une réalité. Nous face à une réalité qui mettait nous en face à assassinat tragique. Chef de l'État haïtien Jovenel Moïse et Martine Moïse, première dame, qui sauvait de justesse et Kounia qui a pris soin dans l'hôpital États-Unis. Et Parti Place pas profiter de micro. Je donne l'hérisson pour capable rétablir l'ordre républicain, j'en vous dis l'IA, mais nous avons une petite crise politique tout petit qui a dessiné après l'assassinat du président. Qui ça au conseiller? Nan chita parlé ça pour choisir un président?
qui ça Claude Joseph doit faire, qui ça Joseph Lambert doit faire, qui ça Ariel Henry doit faire. Justement, nous sommes partis caponner l'équilibriste politique. Je dis à 11 élus officiellement. Président Jovenel tombé. Dans les circonstances jusqu'à présent, tant qu'on dit qu'il était mystérieux. Parti Place a préconisé, hop, nous préconisons une large concertation pour un consensus historique sous leadership Sénat haïtien, sous leadership 10 élus crédéaux. Okay. C'est 10 élus